Nous sommes à l'hôtel Dina Robin, Beachcombe, au Morne, pour un entretien exclusif avec Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008, qui est venu présider la 13e édition du prix Jean Fanchette de la mairie de Beaubassin-Rosil. Jean-Marie Le Clézio a beaucoup écrit depuis 2017. C'était la dernière édition du prix. Alors, au moins trois livres, Alma, Bitna, sous le ciel de Séoul, et 15 causeries en Chine. On parlera également d'un article paru dans Libération du 13 mars 2019, Greta Thunberg, la gravité de la Terre. Jean-Marie Le Clézio, Alma est présenté comme des histoires alternées, celle de Jérémy, en quête du dodo, et celle de Dominique, alias Dodo. J'ai eu envie de parler de l'oiseau dodo, qui est le personnage le plus célèbre de Maurice, parce que c'est pour moi le symbole de ce que l'humanité ne doit pas commettre. C'est la disparition du dodo est entièrement imputable aux humains. Et cet oiseau ne demandait qu'à vivre. Il habitait les montagnes et les bords de mer de Maurice, en assez grand nombre, paraît-il. C'était un oiseau tout à fait inoffensif, qui ne pouvait pas voler, la preuve qu'il avait cette intelligence animale qui consiste à s'adapter au milieu. Et c'est son plus proche voisin, c'est la tourterelle. Les petites tourterelles qu'on voit à Maurice sont les parentes du dodo. Et cet oiseau a disparu par la faute des humains. Et en même temps, je voulais écrire l'histoire d'un personnage un peu imaginaire, enfin en partie imaginaire, qui est celui, personnage d'un clochard mauricien qui erre à travers Maurice, un peu en butte aux moqueries des uns et des autres, et qui est l'objet d'un pari. Un groupe de gens fortunés décide d'envoyer ce clochard en ambassade auprès des clochards français. Et donc il fait le voyage, il se rend en France, et là il devient une sorte de personnage fabuleux lui aussi. Et à l'issue de ce long périple, il finit ses jours dans un asile d'aliénés, comme le dodo finit ses jours dans une chambre à Londres où il a été exporté par un navigateur qui l'expose pour la curiosité. Et donc j'ai voulu mettre en parallèle ces deux personnages. Ce qui unit ces deux personnages, Jérémy et Dominique, c'est un lieu, Alma, un ancien domaine sucrier. D'ailleurs, le roman porte ce titre. Oui, c'est un nom qui m'est assez familier. Une partie de ma famille, pas de ma famille directe, mais une partie de ma famille a travaillé dans le domaine Alma. Et lorsque je suis venu à Maurice, j'étais surpris de voir la désaffection des grands domaines sucriers, leur chute progressive. Et il y a plusieurs endroits dans le sud et dans le centre de Maurice où les anciennes sucreries ont disparu. Et donc il y avait quelque chose de fantomatique dans ces ruines des anciennes sucreries. Et ça a vraiment parlé à mon imagination. J'ai eu envie de faire de ce domaine Alma le centre historique de Maurice. Surtout que Alma veut dire, en espagnol, en italien, ça veut dire l'âme. J'ai imaginé que ce n'était pas une célébration de la bataille de l'Alma, mais que c'était plutôt le nom italien qui avait inspiré les propriétaires de cette sucrerie. Jean-Marie, au fond, Alma raconte un conflit familial. Il est question de bonne société, de mauvaise branche. Oui, c'est vrai qu'à Maurice, on a cette structure qui peut-être
n'existe pas ailleurs au monde. On a en juxtaposition les héritiers des grandes fortunes et les survivants de ceux qui ont été frappés par la ruine. Et je trouve que ça assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'illusions à Maurice. Maurice, c'est l'île des illusions. Et beaucoup de gens qui sont héritiers de ces grandes fortunes vivent dans l'illusion que ça durera toujours. Et beaucoup de ceux qui ont approché ces grandes fortunes vivent dans l'illusion qu'ils ont droit à une petite part de cette fortune. La réalité, c'est que Maurice est une société complexe dans laquelle il y a des hauts et des bas, il y a des survivants et des disparaissants, et même des fantômes. On trouve également dans Alma plusieurs histoires. Histoire de Topsy, histoire de Marie-Madeleine Mahé, histoire de Saclavou. Oui, pour moi, un roman, ça ne peut pas être un texte à une seule voix. Et j'ai eu envie de faire parler ceux que Hubert Gerbeau appelle les citoyens d'histoire du silence. Et donc, j'ai eu envie de parler de ce crime impardonnable, ce crime monstrueux qui a été commis par l'humanité et dans lequel l'île Maurice, l'île de France, a malheureusement trempé, et le trafic des humains. Et donc, j'ai eu envie de parler de cette histoire-là, parce que c'est une histoire, en effet, qui est étouffée, qui est atténuée. Et on voit très peu de traces de ce passé. On les voit seulement dans les noms. À chaque fois que vous avez dans le nom du lieu campement, c'est que c'était un endroit habité par des esclaves. Et il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent camp quelque chose, comme camp Yolof, par exemple. Ça, c'est le plus célèbre, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça. Et donc, j'ai eu envie de parcourir Maurice, et je l'ai fait physiquement. J'ai parcouru Maurice pour aller d'un camp à un autre camp. Camp de masques pavés, j'ai fait tous les camps. Et évidemment, après d'Alma aussi, il y avait un camp. Et je pense qu'il faut faire parler l'histoire du silence. Il n'est pas acceptable qu'on la tienne cachée. De la même façon, les grands personnages de Maurice, comme Mahé de la Bourdonnée, il y a une partie obscure de leur histoire qui mérite d'être révélée. Mahé de la Bourdonnée avait des enfants... Il a organisé la traite. Oui, participé à la traite et a eu des enfants naturels, dont cette fameuse Marie Mahé, qui a été adoptée par la mère de Mahé de la Bourdonnée, qui a vécu à Saint-Malo, et qui est mort dans la misère à Paris, dans un hospice à Paris. Et j'ai eu envie de faire parler cette personne aussi. Sur le plan formel, je trouve qu'il y a plusieurs chapitres en italique. Mon nom est Dodo, La Louise, un Paris. Pourquoi ? J'aurais aimé qu'il ne soit pas en italique. C'est une suggestion de l'éditeur. Mais l'éditeur m'a dit pour la clarté du texte, et ça sera préférable de séparer ce qui est écrit dans cette langue inventée, qui est la langue que parle Dodo. Ce n'est pas du créole, ce n'est pas du français, c'est entre les deux. Et il m'a demandé de les séparer, donc j'ai eu recours à l'italique. Mais ça serait, si le texte devait être lu à haute voix, il faudrait une autre voix. Voilà, donc c'est pour différencier les voix. Bitna, sous le ciel de Séoul, paru en 2018 aux éditions Stock à Paris. Bitna, c'est une jeune Coréenne sans un sou qui invente des histoires pour Salomé immobilisée par une maladie incurable. J'ai eu envie de reprendre le thème des mille et une nuits, mais c'est un petit peu différent parce que Dans les mille et une nuits, c'est une femme qui raconte des histoires pour sauver sa sœur de la mort. Et là, j'ai envie de montrer que par les histoires, par la littérature, on pouvait lutter contre la fatalité, on pouvait exister par la littérature. Et j'ai envie que ce soit une jeune fille qui le fasse parce que, en particulier en Corée, les filles sont
vivent des vies extrêmement romanesques. La Corée est un pays confucianiste dans lequel les filles sont souvent assez maltraitées. Elles doivent se marier tôt, elles doivent trouver rapidement un emploi, elles doivent réussir à tout prix leur existence. Et malheureusement, ce n'est pas le cas la plupart du temps. Elles ne réussissent pas. Elles ont des graves problèmes avec leur famille. Et j'ai eu envie qu'une jeune fille résiste par le moyen de l'imagination à cette fatalité du confucianisme. Les frontières entre imaginaire et réalité s'estompent forcément dans ce roman. Oui, parce que je pense que lorsque l'urgence se fait sentir, la littérature, l'imaginaire, les contes ne sont pas seulement de la distraction. Ça répond à un besoin violent, un besoin d'exister. Et donc, dans ce besoin-là, on prend tout ce qui existe dans le réel, on transforme le réel, on oppose au réel une autre réalité qui est celle des mots. Et c'est pourquoi la littérature, quelquefois, ce rôle de combat, pas seulement un rôle de consolation, un rôle de combat. On se retrouvera un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul. Pourquoi avez-vous mis ce dicton séoulite en exergue de votre roman? Oui, c'est un dicton, en effet, ce n'est pas un proverbe. C'est un dicton que les gens utilisent pour peut-être lutter contre cet épouvantable exode urbain qui se fait à Séoul. Séoul est une ville qui gagne, je pense, chaque année 1 ou 2 millions d'habitants. C'est une ville géante de plusieurs dizaines de milliers de millions. Deux fois même. Oui, oui. Et donc, c'est une façon ironique de dire qu'un jour ou l'autre, on sera obligé d'aller à Séoul. Ce n'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais c'est malheureusement, pour survivre, on sera obligé un jour d'être à Séoul. L'illustration de couverture a été peinte par l'artiste coréen Yoon Yup. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, oui. Lorsqu'il s'est agi de trouver une couverture, parce que ce livre a été publié en anglais et en coréen au même moment. Et la version anglaise avait une illustration très banale, une illustration qui expliquait l'histoire. Et la version coréenne, en revanche, avait une belle couverture qui utilisait l'œuvre de cet artiste. Il faut savoir que... Donc c'est la même, là. Oui, oui, c'est la même. Donc il faut savoir qu'en Corée, l'art de faire des nœuds est très important. Il y a un musée même des nœuds à Séoul. Ça fait partie des traditions. C'est lié une grande partie au bouddhisme, mais aussi au chamanisme. C'est lié à une expression de l'au-delà. Et donc, cet artiste, Yoon Yup, utilise la tradition, les rubans de couleur, pour faire des nœuds. Et donc, c'est ce qu'elle a dessiné ici pour ce livre. Des nœuds, mais ce n'est pas un pays de marins, non plus. Non, c'est un pays de magie. Et vous savez, dans la magie, on fait des nœuds. Ah, et, oui. Et on défait des nœuds. Jean-Marie, votre dernier livre, 15 causeries en Chine, aventures poétiques et échanges littéraires, réunit 15 causeries faites en Chine entre 2011 et 2017, dans plusieurs endroits, en particulier dans des universités. Oui, depuis 2010, je vis une partie de l'année en Chine, à l'invitation de mon traducteur, qui est aussi un ami, M. Xu Jun, qui a d'ailleurs écrit la préface de ce livre. Qui est professeur. Oui, qui est professeur, qui a la particularité d'être un professeur soldat. Il a commencé sa vie comme soldat de l'armée populaire, et comme il manifestait du talent pour apprendre les langues, on lui a proposé d'apprendre une langue. Il a choisi la langue française, et donc... C'est lui qui a traduit mes livres, il a traduit Kundera aussi, il a traduit beaucoup de la littérature d'expression française, pas forcément de la langue française. Et grâce à lui, j'ai pu visiter la Chine, aller pas uniquement dans les universités, il y a eu des rencontres
auprès des directeurs de grandes revues littéraires. La littérature en Chine est très respectée. La littérature est très appréciée par les Chinois. Ils ont une littérature magnifique. C'est le plus beau monument de la Chine. C'est sa littérature. Il y a une grande bibliothèque aussi. Il y a des bibliothèques extraordinaires dans lesquelles il y a des livres très anciens. L'imprimerie a été inventée par les Chinois. Le livre lui-même, dans la forme actuelle, c'est une invention chinoise. Et je dirais presque que la littérature est une invention chinoise, parce que ça remonte à quelques millénaires avant l'ère commune. Et donc j'ai eu envie de rendre compte de cette aventure, et j'ai choisi non pas des conférences, mais des causeries, parce que c'est un ton plus léger. Je ne suis pas en train d'enseigner quelque chose, mais c'est une réponse à des questions que je me pose par rapport à la littérature et par rapport à la Chine. Donc voilà les 15 causeries. Il y en avait d'autres, il y en avait plus que cela. Et il y a eu un choix qui a été fait. Et à la fin du livre, je rends hommage à M. Xi Jin. Je raconte qu'enfant, il était né dans un petit village de province, et il allait tous les jours auprès d'un grand mât qui était érigé au centre du village. Et ce mât diffusait des informations sur le monde entier. Et il écoutait les informations. Et je trouve que c'est extrêmement émouvant d'imaginer, peut-être encore dans la Chine d'aujourd'hui, qu'il y a des enfants qui sont attentifs à ce qui se passe dans le monde et qui ont envie de connaître le monde. Et voilà, donc c'est pour rendre compte de cette affection et de cet échange. Vous écrivez dans ce livre, je cite, « Les livres sont nos biens les plus précieux. Ils ne sont pas seulement des témoignages du passé, mais ils sont aussi des vaisseaux d'exploration qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. » Fin de citation. Alors, il y a beaucoup de réflexions de ce genre dans 15 causeries en Chine, beaucoup de réflexions sur vos rapports, en même temps, donc, avec la lecture, avec les livres. Oui, je suis convaincu que la littérature, si elle a une utilité. Oscar Wilde disait « la littérature est parfaitement inutile ». Mais bon, on ne va pas aller jusque-là, mais si la littérature a une utilité, c'est celle-là. C'est de nous ouvrir les yeux, de nous faire entendre la rumeur du monde et de nous la faire entendre à travers la langue et non pas par les images. Et les livres qui ont importé pour moi dans ma vie, ce sont des livres dans lesquels il n'y avait pas d'images, des dictionnaires notamment. Les dictionnaires ont été très importants. Donc je pense que la littérature a ce rôle de découverte, pas nécessairement d'enseignement, il n'y a pas nécessairement de la morale dans la littérature, mais ouvrir les yeux, c'est déjà beaucoup ouvrir les yeux. Vous parlez évidemment des livres qui vous ont marqué. On sait que l'attrape-cœur de J.D. Salinger en est un. Pourriez-vous mentionner 3 ou 4 autres livres? Oui, l'attrape-cœur, c'est un merveilleux roman moderne. C'est éblouissant de brio et d'intelligence et de sensibilité. Ce roman est apparu dans ma vie à un moment où la littérature en France était bloquée par une sorte de paralysie mentale qui s'est appelée le nouveau roman. Donc c'était le contrepoison au nouveau roman. Mais j'ai lu des livres qui m'ont bouleversé. Il y a Lazarillo de Tormes, un livre anonyme écrit en espagnol au XVIe siècle qui raconte l'histoire d'un jeune enfant qui est un guide d'aveugles dans les rues de l'Espagne de la Renaissance. Et puis, bien sûr, le Quichotte et les aventures de Don Quichotte à travers l'Espagne, dans lesquelles non seulement il détruit les moulins à vent, mais il détruit les falbalas et les ridicules de la littérature héroïque du Moyen-Âge. Donc, il y a tous ces romans qui ont servi à nous convaincre de l'importance du langage, de l'importance de l'imaginaire. Et bien sûr, j'aime beaucoup également Alice au Pays des Merveilles. Je trouve ce roman extraordinaire. Lewis Carroll
n'a pas écrit un roman pour les enfants, il a écrit un roman pour nous ouvrir les yeux sur la vérité que ressentent les enfants. Et j'aime aussi le prophète de Khalil Gibran. Je trouve que c'est un texte magnifique. Donc il y a beaucoup de livres qui m'ont accompagné. La liste serait très longue. Oui, la liste serait très longue. Dans une causerie, vous examinez une question cruciale. La littérature est-elle importante dans nos civilisations ? Dans le monde, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui sont analphabètes ou qui ne lisent pas un seul livre par an. Mais fort heureusement, la littérature orale est présente dans toutes les civilisations. Oui, elle a préexisté à la littérature écrite, c'est certain. Les grands textes de l'humanité n'ont pas été écrits, ils ont été récités. Le Mahabharata, les textes bibliques, les grandes épopées, tout cela, ça a été oral avant d'être écrit. Mais c'est important qu'aujourd'hui, dans un monde où le texte écrit existe, où on peut se procurer des textes écrits, c'est important d'amener les enfants à les découvrir, qu'ils n'aient pas accès seulement aux images, mais qu'ils aient accès à la profondeur des mots. Il y a une autre question non moins importante. Quelle est la responsabilité aujourd'hui de l'écrivain ? La responsabilité morale. Alors, responsabilité morale dans son œuvre littéraire, responsabilité morale dans sa vie de citoyen, ou les deux ? Oui, je dirais que c'est une responsabilité intellectuelle plus que morale. C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui utilise à la fois les sens, les sensations et l'intelligence. Donc, c'est une ouverture sur le monde, c'est la réponse à tout ce qui, dans la vie quotidienne, tend à nous rendre sourds et muets. Et la littérature parle pour tout ce qui est silencieux. Donc, je ne sais pas si c'est moral, mais je dirais que c'est une hygiène. Est-ce qu'il est moral de se laver tous les jours ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une hygiène. Et donc, la littérature sert à cette hygiène. Jean-Marie, pourquoi avez-vous consacré dans le quotidien Libération du 13 mars 2019 un article à Greta Thunberg, la Suédoise de 16 ans, à l'initiative des grèves hebdomadaires des lycéens dans le monde pour protester contre le réchauffement climatique ? Je crois que c'est une illustration de ce que dit le grand poète Rumi, c'est que de temps en temps, quelqu'un est investi du rôle d'éveilleur. Quelqu'un doit venir nous éveiller à la vérité. Et cette fois-ci, cela lui incombe à elle. C'est une enfant encore. Et avec un courage incroyable, elle a décidé de nous réveiller, de nous dire la vérité. Et lorsqu'elle est reçue par des grands personnages du monde, elle a été reçue par le président Macron, et pas longtemps, et le président Macron lui a dit « Je suis très intéressé par ce que vous faites », et elle lui a répondu « Vous ne devez pas être intéressé, vous devez paniquer de ce que je suis en train de vous dire ». Et je trouve que cette formulation, c'est très fort. Et il n'y a qu'un enfant qui peut... capable de dire la vérité avec tant de force. Donc j'ai été ébloui par l'apparition de cette jeune fille au milieu des médias, la rumeur habituelle des médias, tout à coup une voix qui se fait entendre avec tant de force. Dans Greta Thunberg, La gravité de la Terre, vous écrivez ces lignes, je cite, « Elle dit que nous, les adultes, les responsables, les acteurs de notre monde égoïste et rapace, nous n'avons rien fait et que les enfants du futur nous demanderont des comptes. Elle dit même une chose plus terrible, que lorsque nous ne serons plus là, dans 10, 20 ou 30 ans, elle y sera encore et que c'est à elle que les enfants demanderont des comptes. Elle nous accuse de sa voix douce et calme,
d'avoir oublié que la terre nous est prêtée, pas donnée. Est-ce que nous pouvons l'entendre ? Fin de citation. Le paradoxe, Jean-Marie, c'est que Greta Thunberg est reçue par les plus grands des présidents, des directeurs d'industrie, bref, ceux qui sont eux-mêmes responsables de la situation qu'elle dénonce. Est-ce qu'on l'écoute ? Peut-être, mais est-ce qu'on l'entend vraiment ? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Elle manifeste une telle lucidité qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'en restera rien, que ce sera juste un remous dans l'histoire habituelle, dans business as usual. Il faut imaginer que cette voie peut-être aura quelques conséquences. Et en agissant auprès des gens de sa génération, elle a plus de chances d'être entendue. Pour elle, ce ne doit pas être très important de recevoir, d'être reçue par les personnalités du monde des affaires et de la politique. Mais c'est important d'être suivi. C'est important que d'autres enfants de son âge, garçons et filles, se lèvent et, une fois par semaine, protestent sur le destin qu'on est en train de leur faire subir. Donc, ça, je crois qu'il y aura des conséquences. Je ne peux pas imaginer que ce soit sans conséquences. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, oui, exactement. Et votre dernière phrase, qui est très belle, il est peut-être encore temps. Il n'en reste pas beaucoup. Oui, oui, nous le savons. Nous le savons, les gens de ma génération ont pu constater tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a été détruit, pas seulement en termes de contamination du milieu ambiant, mais aussi en termes d'équilibre social, de justice, tout ce qui a été perdu au fil des années. Et donc, à mon âge, je pourrais n'avoir aucun espoir. Mais elle, justement, Greta Thunberg, elle est là pour nous donner cet espoir que ce n'est peut-être pas trop tard. Quelque chose peut être encore fait. Merci Jean-Marie, c'est un très grand plaisir de vous recevoir de nouveau dans Passerelle. Merci Issa. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale de Passerelle.